Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc là, on va commencer par un taroscope général. On va aller voir une situation, problématique ou pas. Et puis, on va faire un petit peu le sentimental. Qui dit intemporel dit que si cette guidance vous parle, c'est bien évidemment pour la période à laquelle vous l'écoutez et puis pour l'évolution, ça s'étend sur le mois en cours, voire le mois prochain. Voilà les amis, si vous aimez bien sûr cette guidance, si elle vous parle, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Et puis bien évidemment, pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel comme une consultation, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et tout y est, également mon numéro pour me joindre via WhatsApp. Allez, c'est parti les amis. On y va, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir l'énergie dominante du moment. Pour vous, Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? Alors, on a la carte communauté qui est sortie renversée. Alors, quand cette carte sort à l'envers, pour certaines personnes, vous avez le sentiment un petit peu d'être isolé, d'être seul. Alors, ça peut être dans un seul domaine, hein. Vous pouvez très bien être entouré au niveau amical et pas du tout au niveau sentimental, hein, ou le contraire, hein. À vous de voir. En tout cas, il y a ça. Il y a cette notion de se sentir seul, de se sentir isolé, peut-être qu'aussi vous êtes en train de faire un deuil, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y a eu une perte aussi. Vous êtes en train de faire le. Pour certains, vous n'arrivez pas justement à faire ce deuil-là. Et j'ai l'impression que vous vous découragez un petit peu. Bon, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe actuellement, voilà, le fait d'être seul ou pas être entouré de bonnes personnes ou de devoir faire le deuil d'une personne, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une notion de pessimisme et de découragement. Ok, mais on va voir de toute manière la suite, hein, tout de suite. Allez, on va voir ce que nous dit le Béline avec ça. On va avoir un petit peu plus d'infos. Ici, on a le feu. Alors, le feu, hein, parle peut-être éventuellement d'un signe de feu. Ça peut être une petite indication. Sinon, le feu, on dit aussi que vous avez du courage dans cette situation. Allez, c'est parti, on prend 3 cartes. Donc là, on a pensé amitié. On a la carte du retard. Et nous avons la carte du hasard. On va en prendre une autre. Ah, et on a la carte des ennemis. Bon, écoutez, je vous dis clairement, hein, les Capricornes, s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, surtout au niveau amical, ou quelqu'un que vous considériez comme quelqu'un de proche, c'est positif. D'accord? Comme on dit, il n'y a pas d'hasard. C'est que tout simplement, cette personne, elle n'était pas si bienveillante envers vous-même. Donc effectivement, le retard, on a quand même Saturne ici. Hein. C'est une restriction, c'est une fin. C'est peut-être quelque chose qui a été reporté, qui s'est retardé. Quelqu'un qui a pris des distances. Bon, peu importe. Hein, c'est nécessaire. Avec le hasard, l'ennemi, la carte des ennemis, là, c'est positif pour vous. Ok, donc voyez bien évidemment le positif dans la situation. Ne souffrez pas d'être abandonné seul ou autre. C'est positif. C'est parce que là, vous étiez peut-être entouré de quelqu'un qui n'était pas forcément très bienveillant à votre égard. Ok, allez les amis, on continue. On va voir un petit peu plus de détails concernant cette situation de toute manière. Allez, c'est parti avec le tarot. Capricorne. Oui. Eh oui, vous vous libérez d'un conflit ou d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec l'autre. Hein. Donc, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. On va aller regarder cette situation et après, on va regarder le sentimental. Alors, allez, on découvre. Roi d'épée. La mort. 9 de deniers. 3 d'épée, on a 2 cartes de fin là, 3 de bâton et 7 de bâton. Ici, on a un roi de coupe. Donc, roi de coupe, hein, c'est peut-être en face de vous un signe d'eau. Effectivement, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être bloqué ou qui s'est éloigné, qui a arrêté de partager avec vous. Bon, il y a quelque chose comme ça qui se passe actuellement ou sinon pour certains, vous le sentez et ça, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Alors, ce qui vous préoccupe,
je pense, la situation roi d'épée. Bon, on peut avoir éventuellement un signe d'eau, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On peut avoir un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais peu importe les signes, ce qui vous préoccupe, ça peut être effectivement quelqu'un qui est devenu froid, distant avec vous, peu importe son signe. Mais j'ai l'impression aussi que vous, vous êtes en train d'essayer de comprendre, vous êtes en train d'analyser, mais pourquoi ? Pourquoi cette personne a pris des distances? Pourquoi elle ne me parle plus? Pourquoi elle est partie? Il y a quelque chose comme ça que vous êtes en train d'analyser. Et on a le 9 de coupe, ouais. Et pourtant, tout semblait bien entre nous, quoi. Je ne vois pas quel est le problème dans cette situation. Je ne vois pas pourquoi cette personne a pris des distances avec moi. Pourquoi elle ne m'appelle plus, elle ne me parle pas. Pourquoi elle m'a bloqué sur les réseaux, sur le téléphone. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit que c'est bien. Ce qui se passe là, c'est très très bien, d'accord? Parce que c'est une forme de protection pour vous, ok? Donc, votre défi, votre challenge, c'est la mort. C'est qu'en fait, on vous dit là, c'est fini en fait. Il faut l'accepter tout simplement. Même si vous ne comprenez pas pourquoi, acceptez. Parce que là-haut, on voit hein, le fond des gens et on voit l'avenir. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Vous voyez, vous vous accrochez, faites attention, hein, Capricorne, vous vous accrochez. Hein? Pour certains, peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, finalement la personne l'a accepté et vous ne vous y attendiez pas à ça. Peut-être que vous vous êtes dit non, elle ne va pas me lâcher, là c'est bizarre, elle ne me calcule plus. Ben, vous voyez, mais là c'est votre carte. Hein. Donc vous voyez, malgré que c'est fini, il y a cette tendance à rester accroché, à gripper à la situation, or qu'il faut lâcher. Mais c'est juste que comme il y a une incompréhension, où ça ressemble pas du tout à cette personne, il y a un point d'interrogation là dans votre tête. Ok, mais lâchez, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses que vous ne savez pas. Ce que vous allez devoir dépasser, bah, c'est le 9 de Pentacle. C'est effectivement la solitude. Hein. Peut-être que maintenant, vous vous retrouvez seul, célibataire pour certains. Peut-être que vous n'avez plus personne à qui parler. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, il va falloir le dépasser parce que maintenant, peut-être que ça, cette situation va aussi vous permettre d'être véritablement dans votre complétude et de combler tous vos manques par vous-même. Hein, donc, c'est à accepter. Regardez, vous êtes là. Roi de denier, c'est vous. L'ermite, c'est aussi la solitude, comme le nef de bâton. Mais c'est une aide, en fait, pour que vous puissiez avancer vers autre chose. Donc, pas d'inquiétude. Si ça vous tracasse, lâchez prise, acceptez. Parce que je vous dis, on vous protège quand même de quelque chose. Hein. Soit, pas forcément d'une personne qui est négative, mais peut-être que des fois, c'est simple. Des fois, il y a des gens qui quittent notre vie parce qu'on a mieux à recevoir. Alors, ok, donc à dépasser, c'est ça. C'est ce truc d'être seul, quoi. Mais c'est aussi lâcher sur cette fin. Fini, c'est fini, quoi. Hein. Le conseil du tarot, on a le 3 d'épée. Donc, vous voyez encore, on en revient. Faites votre deuil. Faites votre deuil, les amis. Le conseil. Ah, événement possible, pardon, le conseil est là. Et, mais c'est pareil, c'est un 3 en plus. Événement possible, fini. Le deuil. Acceptez cette fin. Acceptez. C'est bien pour vous, hein, 9 d'épée. Mais oui, ça va faire mal. Et oui, ça fait. Regardez la mort. Et oui, ça va faire mal. Et oui, ça fait déjà mal. On le voit. Mais il faut l'accepter. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Et là, c'est une protection pour vous. Dans le sens où il y a mieux qui arrive, ou bien ben on a la carte ennemie, hein. Quelqu'un n'était pas forcément bienveillant envers vous. Hein. Donc l'univers l'a enlevé de votre vie, et tant mieux, d'autres personnes bien entreront dans votre vie. Et des fois, quand on aime quelqu'un, je sais que c'est difficile, mais il faut accepter, parce que rien n'arrive pour rien. C'est pour ça que le conseil, on a le 3 de bâton, lâchez prise, tournez le dos, dirigez-vous vers l'avenir, en fait, hein. 2 d'épée, ben oui, voilà, ça c'est cette carte-là, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans l'avenir, hein, c'est une libération, les amis, c'est une libération des peurs, il y avait plein de choses cachées dans cette situation, moi je dirais signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. L'évolution, on a un 7 de bâton, donc 7 de bâton, j'ai l'impression que vous allez vous défendre, camper sur vos positions, pourquoi? 2 de coupe. Ah, et ce signe, cette personne, ah, il va y avoir une communication. Voilà, communication, je pense que c'est un signe d'air. Si ce n'est pas un signe d'air, c'est quelqu'un qui a vraiment pris des distances. Hein. Communication, mais là, vous allez être triste et vous allez dire, ok, tu vois ce que tu as fait, maintenant c'est bon, ciao.
Donc, c'est pour ça qu'on vous dit accepter. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? Je vais vous aider un petit peu à accepter pour ceux à qui ça parle. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? 4 de denier. 4 de denier, vous allez penser à vous. Vous allez pouvoir, pour certains, peut-être, si vous avez de l'argent, si vous allez toucher de l'argent, peut-être qu'effectivement, y aura personne pour profiter de ça. Hein, je ne vous parle pas de bénéficier, je vous parle d'un profit. Profit, malhonnête. Pourquoi pas? Sinon, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est des choses à recevoir. Des cadeaux, des bénédictions. Et là, la personne, je pense qu'elle va revenir à la communication. Et là, où tourne, ça sera vous qui allez être complètement sur la défensive. Ouais, 5 de bâton. Vous allez être bloqué, vous allez être sur la défensive. Il y aurait eu un petit peu de temps hein, qui a coulé. Donc forcément, peut-être que là, vous n'arrivez pas à faire votre deuil, mais peut-être que dans une semaine, vous l'aurez fait. D'accord? Donc voilà, on accepte ce qui est, les amis, parce que c'est bien pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir le sentimental. J'espère déjà que ça vous a aidé. Allez, c'est parti. Le sentimental. On y va avec l'améthyste et on va poser 11 cartes. Peut-être que ça vous a parlé du sentimental, peut-être pas. On va voir les messages qui sortent. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, on a un oui, les amis. On vous dit oui. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a de l'instabilité. Un coup oui, un coup non, une relation instable, ou sinon, c'est vous qui êtes un petit peu instable en ce moment. Et pourtant, on a une chance. Hein, on a une opportunité à saisir. Hein, on vous dit oui. On hésite, il y a quelque chose d'instable, mais en même temps, il y a une chance, il y a quelque chose à saisir de nouveau. Alors, on a une attraction, on a de l'alchimie avec une personne. Ah, on a la carte des blessures ici, cœur brisé. Écoutez, moi, je pense que là, cette carte de l'instabilité, c'est le fait d'être entre deux. Hein? J'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher peut-être quelqu'un et il y a une autre personne, ou bien il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui revient, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, tout ça, ça se passe dans un moment où vous êtes assez fragile. Un blessé ou cœur brisé, ou bien vous avez du chagrin, choses comme ça. Pourtant, il y a cette attraction alchimie avec une autre personne et c'est mutuel. Donc, c'est une chance, en fait, finalement, pour sortir d'une forme d'instabilité. Oui, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Choisis entre qui? Est-ce que j'attends de voir ce que ça peut donner avec cette personne avec qui ça se passe mal ou c'est fini? Ou je vais avec cette nouvelle personne ou cette personne qui revient? Vous voyez, ça dépend. Je vois entre deux dans tous les cas. Ouais, mais un choix, mais attention. Attention au choix que vous faites pendant une période de crise où vous êtes blessé ou ça ne va pas. Hein. Faites attention à vos choix. Hein. D'accord? Ici, moi, je pense que vous n'allez... Enfin, c'est vous, cette personne-là, qui n'allait pas réussir, en tout cas, à faire un choix rapidement. Hein, vous êtes trop entre deux. Oh, on a deux personnes qui se ressemblent ici. Et on a un retour du passé. Ok, c'est pour ça que je vous dis. Pour moi, c'est comme si je vois entre deux. On va voir ce qu'on a là. Ah, la méfiance par rapport à ce retour du passé. Et on a le non. Ok. Bon, ben c'est ça. Moi, je pense qu'honnêtement, il y a une relation instable. C'est ce retour du passé. Peut-être qu'on a vu dans le premier tirage quelqu'un qui vous met un petit peu mal ou en crise ou qui vous a blessé le cœur, etc. J'ai une attraction alchimie entre vous et une autre personne, soit que vous connaissez déjà, soit que vous allez rencontrer. Il y a un choix à faire et je pense que le choix, ça va être cette nouvelle personne et pas le retour du passé, tout simplement. Parce que voilà, vous privilégiez. Après, on ne dit pas que si c'est sérieux ou pas.
On dit juste que là, il y a une chance en fait de vous libérer de cette personne. Donc oui, cette personne va revenir à la communication, mais le problème c'est que vous êtes hyper méfiant, comme vous avez été blessé, comme c'est quelqu'un, c'était une en fait entre vous deux, vous voyez, jeune homme, jeune femme superficielle, c'était une relation trop superficielle pour vous. Donc je pense que vous allez privilégier la nouveauté avec qui il y a une alchimie, de l'attraction, c'est pas forcément que sexuelle, mais c'est une attraction mutuelle, et puis laisser les choses se faire tranquillement. Ici, on vous dit oui, écoutez votre âme, hein, d'accord, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que dans cette triangulaire, on a quand même une âme sœur. Hein. Donc, et moi, je dirais plus la nouvelle personne que l'ancienne, honnêtement. Voilà les amis, on va voir quel message les deux ont pour vous. Alors, on va aller voir l'ancienne, cette personne-là qui vous a fait mal. Après, elle peut être aussi en souffrance, hein, cette personne. Hein. J'incrimine personne, hein, bien évidemment. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave et j'avance vers toi petit à petit. Bon. Deuxième message de cette personne, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout des choses. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, on a bien quelqu'un qui est quand même assez perdu. Allez, la nouvelle personne. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit, hein, les amis. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors je change. Tout changera. Je ne serai plus aveuglée et je ne verrai plus que toi. Donc, vous voyez, là, on a une simple alchimie, une attraction mutuelle. Donc, effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui voit loin. Mais en même temps, ce n'est peut-être pas quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour durer. Peut-être aussi pour certains. En tout cas, là, ce qu'on voit pour l'instant, dans le mois d'octobre et voire le mois de novembre, c'est que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie pour lâcher cette autre relation. Donc, il y a un peu d'illusion, on ne sait pas. Mais plus tard, peut-être qu'on le verra dans les prochaines guidances. Allez, les amis, une petite carte de l'oracle de Gaïa. Hop. Et ici, le message qu'on a pour vous, c'est évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes gouvernés par une volonté supérieure où sommes-nous les architectes de notre futur. Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Excusez-moi. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc vous, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution. Donc il y a un changement chez vous. Il y a une évolution, il y a un changement de fréquence aussi, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'en fait, on essaye tout simplement de vous dire que comme vous êtes en train d'évoluer, peut-être ne pas retourner vers le passé. Voyez, après là, ce sont des énergies, chacun a son libre arbitre, c'est vous qui voyez. Mais écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Ciao.